premier poulain de la section des jeunes poulains. Donc ce poulain, l'éleveur vient de signaler, il est un petit peu tiré, c'est pas le voyage, il vient très près. Il a été opéré il y a un mois et demi, d'une hernie. Et ben, le temps de récupération est là. On a eu très chaud il y a quelques temps, ça explique certainement. On va marcher, Yana ? C'est pas un petit poulain, donc le développement est là. Donc, le numéro 16, excusez-moi, Feel Like Dancing, sur ce que j'ai appelé tout à l'heure le croisement à l'envers par Esteem Ball. Donc, Feel Like Dancing sur Kiss Me, présenté par Monsieur Bru. Kiss Me et Esteem Ball étaient gagnants en plat 3 fois, et en obstacle 1 fois. À Chillon, donc sur les haies, et elle est mère de 4 produits, dont un vainqueur, Dreamart, un Balco, du Haradulu, un Balco, qui lui est gagné en plat. Au soleil, voilà, top. Et bien évidemment, ce Feel Like Dancing est à vendre, et maintenant on va s'intéresser à la souche, puisque tout près, deuxième mère, regardez bien. Vous avez un cheval qui a défrayé la chronique. On va trotter, Guéna. Il est à l'entraînement à Sonnen. Et ce cheval, Jacques Fidart, qui s'illustrait sur les haies à Auteuil il y a 3 ans, a fini troisième du Grand Cross de Durtal. 2 crans, rendez-vous compte. Qui se court dimanche. Trotter. Au trot, et après, vous le reverrez. Et c'est bien sûr ce croisement à l'envers nouveau, cette nouvelle fiche à UPS, avec une mère gagnante. Il y a donc encore du Black Type à UPS, puisqu'elle est seconde du prix Glorieuse. Et son frère, Jacques Fidart, et lui, troisième du Grand Cross, qui est une épreuve listed. Autrement dit, encore du Black Type, avec un jeune poulain, né le 29 avril, tout près d'ici, à Châtelet.